Vous souvenez-vous, ce 23 juillet 2022, je découvrais dans mon jardin des gynes prêtes à s'envoler et je décidais de me lancer dans l'élevage de fourmis. Que de chemin parcouru en un mois! Je préparais alors un tube à essai en urgence, puis je me mettais à chercher une gyne dans mon jardin. Mais si, souvenez-vous, c'était l'époque où l'herbe était verte. Un peu maladroit, je vous l'accorde, j'avais quand même réussi à trouver trois gynes. Et après renseignement, il s'agit de trois lasius noirs. Au bout de quelques jours, j'étais tout content de voir plein d'œufs. Je savais qu'il ne fallait pas déranger Madame la Reine, mais quand on débute, c'est très dur de ne pas regarder. Heureusement, j'ai trouvé une astuce pour tenir bon. D'ailleurs, surveillez mes prochaines vidéos, je vous expliquerai comment j'ai fait. Je laisse donc mes reines tranquilles dans le noir, puis je regarde 3 semaines plus tard et je vois cette fois-ci des cocons. Encore un peu de patience. Et enfin, le 4 septembre au matin, une toute petite ouvrière pointe le bout de son nez. Elle est toute claire car elle vient juste de naître. Elle s'appellera donc logiquement Claire. Une petite sœur ne va pas tarder à arriver. Je vous laisse profiter de cette petite merveille. D'ailleurs, moi je suis épaté de voir cette toute petite fourmi minuscule. J'ai mis un réglet sous le tube et notre petite fourmi mesure tout juste 2 mm. Alors que maman fait 9 mm. Mais le plus impressionnant, c'est la différence de volume entre la reine et l'ouvrière. Et 4 heures plus tard, une petite sœur. Ici, on voit bien notre petite Claire en haut à gauche, qui est devenue foncée, et sa sœur en bas qui est claire, puisqu'elle vient de naître. Demain, elles seront toutes les deux noires. Vous me suivez toujours? Et demain, il y aura 2 ou 3 nouvelles petites sœurs. Je leur ai mis une goutte de miel dans le tube, elles se sont régalées. J'en profite pour vous annoncer mon premier concours, avec une Camponotus maculatus à gagner, avec son couvain et ses ouvrières. Cette espèce fait rêver plus d'un myrmécologue. Pour participer, suivez mes vidéos, je vais annoncer prochainement comment va se dérouler le concours. Et en attendant, abonnez-vous à ma chaîne, ce sera la première condition pour y participer. N'oubliez pas le petit pouce bleu et partagez ma chaîne. Vous êtes bientôt 200 à me suivre et j'en suis le premier surpris. Merci encore à tous. Je vous dis à bientôt. Ciao.